Salut Jean, et on se retrouve ici pour la deuxième partie de Traverse San Francisco. Je vais directement lancer, j'ai plus rien à dire. Je vais appuyer sur jouer. Voilà. Et désolé pour la. Ouais, Attendez. ça c'est de la bagnole. Mais c'est trop puissant pour un branleur, non? On peut faire des bêtises avec ça, vous pensez pas? Oui, monsieur, aucun doute là-dessus. Je vais la pousser un peu, ok? Mais faites comme chez vous. D'accord. Ouais, désolé pour la fin un peu loupée la dernière fois. Mais bon, c'est Si pas je prends grave. votre conduite sportive, vous comptez bien acheter cette voiture? Je me tâte encore. Allez, maintenant il faut faire des déplacements un peu dangereux. Dangereuses. Voilà, hop. Hop. Et hop, et hop. Oulala, vous emballez pas. Comment elle braque? En tournant le volant, monsieur. Comme sur des rails, hein? On va voir ça. Ils peuvent pas atteindre la destination. Ah merde, la destination c'est carrément l'autre côté. D'accord. Bon. On va atteindre la destination, évidemment. Enfin, on va essayer. Oh là. Plus tard dans le jeu, on gagne aussi des XP. Si on fait des dépassements dangereux ou des drifts, des trucs comme ça. Et des XP, XP, ça sort. Ça aide à. Ça sert comme l'argent en fait, on va dire ça comme ça. Vous pouvez acheter des nouvelles voitures et de la nitro pour les voitures et tout ça. Mais bon, on va voir tout ça encore. Et là, on va arrêter. Et je crois que je me suis trompé de route. Je sais pas trop vers là. Mais bon, tournez vers là. Voilà. Mais effectivement, je me suis trompé un peu. Cool, pour l'instant j'ai pas encore cassé la voiture, j'espère que ça va rester comme ça. Faire un saut dans 10 mètres, c'est ça. Voilà, bon, je vais casser la voiture, mon ami, parce qu'on a une voiture devant moi. Ouais, ok, on va retourner au bureau pour discuter du financement. Allez, très bien, très bien, je vous ramène. Oh, merci, merci. On peut s'amuser un peu sur la route, pas vrai? Alors, bon, maintenant ils nous apprennent un peu à conduire en fait. Hop. Avec le frein à main et tout. Bon, le frein à main, j'aime pas trop. Mais effectivement, ça aide un peu dans les virages comme ça. Déraper. On va bien se marrer. 9 sur 18. Putain, j'ai pas mal encore à faire. Ah. Allez. Ça se verra à peine. Ah. Faites attention, par pitié. Je défonce tout. Je me rappelle plus de cette mission. C'est bizarre. J'ai chaud là. Mais c'est bizarre que je me rappelle plus de cette mission. Voilà. Hey, vous trouvez pas qu'elle flotte? Monsieur, j'ai une dizaine d'employés et deux ex-femmes. Rien que les pensions alimentaires. Quelle aura de Pas mal, pas mal. C'est génial. Shifter dans la voiture de Tana. Bizarre, mais génial. Attends. Merde, où est ma bagnole? Et mon corps, il est où? Il faut à tout prix que je trouve Jones. On va trouver la voiture. Elle est là.
Qu'est-ce qui se passe là? Impossible de gagner votre corps. Terminez d'abord une mission urbaine. San Francisco a besoin d'un héros. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pas moyen d'appeler les renforts. Alors on est tout seul. Faut espérer. Attends. Qu'il y ait un ange gardien. Les voix. Elles viennent de cette voiture de patrouille. Aide-les. Ok, pourquoi pas. Vous voulez que j'aide des gens, je vais le faire. Je dois trouver cette voiture de patrouille et l'aider comme je peux. D'accord. On va voir, elle est là. Les lâche pas, Bobby. Je fais ce que je peux. Et la radio, ça marche? Non, le micro est foutu. On n'aura pas les renforts. Alors on est tout seul. Faut espérer qu'on ait un ange gardien. Voilà, on va jouer ça. Allez. Le fugitif se trouve dans une zone rouge. Restez dans cette zone et arrêtez-le. Si vous en sortez, PDD, s'enfuit. D'accord. Ça commence mal. Approche-toi, collègue. Ça va envoyer du lourd. Allez, on le chope. Ouais, voilà, on le chope, on le ficelle et on le bouffe. Ah. Allez. Celui-là, il l'a pas vu venir. On va le défoncer celui-là. Merde! Quoi, merde? Bon sang, Bob! Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, là j'ai fait la merde, mais pas avant, hein. Alors là, faut arrêter. On va le sauver! Ça, c'est pas de la merde, ça, ça. Là. Tiens, mais. Il est où maintenant? Non, il a pas tourné. Oh non. Pourquoi il a tourné ça? Petit fils. Allez. Voilà, arrêtez celui-là. Oh non, désolé. N'excuse pas, Bob, et poursuis. Oh merde. Bah dis donc, t'as pris des vitamines aujourd'hui? Ça. Voilà, celui-là il est. Il est fait. Voilà. Je suis allé tout droit. Hein. Et voilà comment on stoppe un suspect. Une poursuite comme on les aime. Fugitif neutralisé. Chargement. Alors, maintenant on va trouver la voiture de Tanner. Voilà. Ok, John, t'es furieux et je comprends, moi aussi. Mais c'est pas une bonne idée de rester silencieux comme ça. Il faut absolument qu'on se ressaisisse et qu'on arrête Jericho rapidement, tu m'entends? Mais allez, tout seul pendant tout ce temps que nous on s'amuse là. Jones, hé, hey, Jones, tu me croiras jamais. Alors comme ça t'as retrouvé ta lampe, hein? Tu disais plus rien mon gars, on aurait cru un légume. Ou que tu voulais faire une addition sans utiliser tes doigts. Ah, quand même. Eh hey, mais qu'est-ce qui t'arrive bordel? Désolé, j'ai dû avoir une absence. Eh hey, ouais, quand même. Allez au poste. Alors de arrête police. De me zapper, John. Et ramène-nous au poste. Ok, Jericho s'est enfui, faut le retrouver. Oh ouais. Quoi d'autre? Eh ben on sait qu'il a reçu de l'aide pour pouvoir s'évader. Bon, on cherche un tireur capable de toucher une cible mobile depuis un hélico avec un lance-roquette. Ex-militaire? C'est probable. Le pilote dit que c'était une femme. Cheveux noirs, assez looké. Ça limite les possibilités, non? C'est une professionnelle. Je te parie qu'elle s'est évaporée. Va falloir qu'on se bouge les fesses pour coincer Jericho. On va le faire à l'ancienne. On fouille les poubelles et on regarde jusqu'où les cafards nous mènent. Ok, voyons voir qui on a. Qu'est-ce que tu penses de Jimmy Herrera? San Quentin. Ordell Williams? Peu de chance, il est en conditionnel. De quoi? Ouais, mais c'est un début. Voilà. Putain. Oh là, non. Ma voiture. Fais chier. Police Predict. Apprentissage. Ouais, trouver Jericho. Jericho. Faut se concentrer là-dessus. Mais tu débloques là ou quoi? C'est pas ce qu'on était justement en train de dire? Action. Ok, le dossier Jericho. On reprend tout, qu'est-ce qu'on sait? Son évasion était bien préparée et il avait de l'aide. Probablement d'une ex-militaire. Il est toujours dans le coin et il y a une petite crapule qui sait où il est.
Donc on va utiliser cette racaille pour remonter jusqu'à Jéricho. Avec mon pouvoir, on a un avantage. Mmh. D'accord. KEOC News, l'œil sur la ville, bonjour à tous. Bonjour. À suivre dans un instant, la cavale de Charles Jéricho. Nous suivons en direct une évasion spectaculaire dont on ne compte plus les dommages collatéraux. Un policier qui tentait d'arrêter le fugitif a été grièvement blessé. Niveau de shift 2. Pour dézoomer et zoomer. Je pourrais franchir des bâtiments, même des blocs entiers. Wow! Bien joué. Allez à l'explorer. D'accord. À l'explorer de quoi? C'est des fous, dis allez à l'explorer, mais oui, mais c'est où l'explorer? Faut juste exploiter comme ça un peu. Ah, ou alors il faut aller au truc bleu, là, je suis dans la bonne direction. Ah non, c'est ça l'explorer, d'accord. Mais il faut aller en voiture ou je peux me mettre comme ça? Attends, je préfère me choisir une voiture, là, une belle BMW. Si je prenais du bon temps, ça me donnera un peu de recul pour elle. Parcourir 800 mètres en 45 secondes sans impact. D'accord, bon, vas-y. On développe une amélioration, utiliser la voiture la plus adaptée, trouver l'endroit idéal. Non, merde, ça commence déjà. Bon, bah, on va essayer sans crash. Voilà. Même chose. Voilà, bah, parfait. Ah, d'accord, il faut toujours. Même pas câble. Point de volonté. Vous avez gagné de la volonté. Tout ce que vous faites rapporter de penser là dans vos garages. D'accord, bah voilà, c'est ça que je vous ai dit. Maintenant, si vous voyez en haut là, dès que je fais des dépassements, hop, voilà, dépassement plus 10. Ah merde, il faut pas aller là. Merde. C'est comme un mur de glace. Ouais. J'ai l'impression que la ville veut d'abord que je finisse un truc ici. Ouais, bah, maintenant c'est bien pour rouler vite et tout, on gagne des points. Et comme ça, on peut s'acheter des voitures de plus en plus vite et tout ça. Et on débloque aussi des voitures en boulot. Dépenser les 1 dans le garage, acheter des véhicules et améliorations, réparer dans l'une de vos voitures. Repartez, hein. Pas vrai, pas vrai. Voilà, dans le garage. Bon bah voilà, maintenant on voit tout ce qu'on a gagné partout. Là on a une étoile, c'est ça qu'on a gagné. Ah merde, j'en ai gagné deux là. D'accord. Voilà. Voilà. Les deux là. Bon, je pense que je vais m'acheter la Audi. Ah merde, ah ouais, un peu trop cher. Bah, fait chier, j'ai une belle Audi là, je dois la lâcher. Attendez, vitesse, puissance, ouais. Ouais. Bon allez, je préfère ça là, je vais me l'acheter. Parce que comme je suis obligé de dépenser et repartir avec une de mes voitures, vous êtes assuré. Oui. Voilà. Bon, maintenant on va s'arrêter là. Moi je vais faire une petite pause aussi.
Alors, on se retrouve certainement bientôt. Je pense que je vais continuer un peu à faire un genre de let's play sur Traverse San Francisco. Je suis pas sûr. Je vais déjà voir comment vous le trouvez. Et puis, ouais, on verra. Peut-être je vais continuer à faire un petit let's play. Enfin, je pense pas que je vais faire tout à fait un let's play. On verra. Alors, en tout cas, à bientôt les gens. Streets again.